Manos para inadimilai filimina lohin as providina umra anoreima lohin is provide lagin rasra edana uzera inafrasra esera minokrai is providerna Asarai farai, asurasum. Benido mana umarai filmu. Benido filau, laurai filagunalai. Bisarai farasan taujali. Balakeda mana itel filaujai. Amnali isarai, bistrofinorai, anna uli talmarai, ahbarasum. Bonjour à tout le monde, la gloire de Dieu est ici. S'il te plaît, partage cette vidéo à tous ceux à qui tu peux la partager, c'est un moment de grâce. Maru sarumin alukin, aula man alosar. Inalima lo filmelo anurabana la galosera binalikura isra farut manraina odel fauru israi isra saravo amunrai gerkernau universo frasernai amrai filino Anora iblos peradias mun. Oh là là, Saint-Esprit glorifie Jésus. Merci parce que tu es bon. Bikna la omin alias maudel. Bina lo krabis meravo. Naros pravida lomin alikum lai. Is praminum la. Analu kinalu manorai Ephraim ansarumin alugelo fra Anorai fili managoleta Goleta maluge naksera filnoi Ibinaleiga barausrai frai Anau telse kauteima Saravina udello isram Bon week-end à tous, au nom de Jésus. Il n'y a rien de plus beau que d'être imbibé, imprégné, ivre du Saint-Esprit. Oh, si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, ne connais pas la beauté du parler en langue. Au nom de Jésus, je prie que cette connexion te soit accordée. Reçois l'effusion de l'Esprit au nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Voilà, nous avons ici un très grand week-end qui est en train de se passer. C'est samedi, demain c'est dimanche. Nous avons le grand service, le premier culte
du mois de novembre, le mois de la restitution, de la restauration et du Dieu de la seconde chance. Dieu se manifeste dans ta vie, dans ta famille comme étant le Dieu de la seconde chance. C'est une parole prophétique pour toi, c'est une parole puissante pour toi, c'est une parole certaine pour toi et pour ta famille. Donc nous attendons nos bien-aimés qui sont en retard, qui se connectent, et je voudrais déclarer une parole dans ta vie, 24 heures, un miracle en 24 heures. Donc nous voulons prier ensemble, que le Seigneur te bénisse. En attendant nos bien-aimés, ne manque sous aucun prétexte à notre grand et glorieux culte de ce dimanche 6 novembre. Et vous savez, bien-aimés, quand la parole de l'Éternel est sortie dans ma bouche, elle ne retourne point à Dieu sans avoir exécuté dans ta vie avec succès les desseins de Dieu pour toi et pour ta famille. C'est pour ça que je voudrais t'exhorter à ne point manquer à ce grand rendez-vous ce dimanche à partir de 7h30 à Soa. Non, à Kouaban. Pas à Soa, en Kouaban. Voilà, en Kouaban. Ce sera à partir de 7h30 à la Bire. En Kouaban, à la Bire. Toutes les familles sont invitées, ne laissons pas nos enfants. C'est le dimanche où l'Éternel nous amène à comprendre qu'il est le Dieu de la restauration. Et nous avons parlé de l'onction de la 11e heure, qui est une onction spéciale, une onction redoutable. Si tu crois en cette parole de la prophétie, connecte-toi s'il te plaît et dis simplement « Amen, le Seigneur le fera ». Donc comme j'ai eu à dire, l'arme redoutable que nous avons en tant que prophète, c'est la parole dans notre bouche. La parole, ça sera un culte redoutable. Ce dimanche, vraiment ne manque pas. Le premier dimanche du mois de la restauration, de la restitution. C'est-à-dire que tout ce que l'ennemi t'a volé, toi, ta famille, ta femme, ton mari, dans tous les domaines de ta vie, tout ce que la vermoulure spirituelle a rongé dans ta vie, il y aura des décrets redoutables. On va sortir avec une notion qui n'a pas de nom. Demain là, demain, c'est-à-dire que quand tu me vois d'abord, dis-toi simplement, Seigneur, quand je verrai ton noin, mon problème aura une situation, aura une solution. Et tous les malades, tous ceux qui sont malades, le temps sera pris tout au long de ce mois parce que on doit se rassurer que tu n'entres pas en 2023 avec ta maladie. Tous ceux qui ont des problèmes spirituels, d'envoûtement, de blocage, etc., et de limitations spirituelles, nous allons briser ces limitations. Donc, ça sera un culte vraiment où je vais me concentrer sur la délivrance des familles. Et c'est la recommandation que j'ai reçue du Seigneur pour tout le mois de novembre. Donc, on veut juste se rassurer que tu ne sois point perdant en cette année 2022. Que tu entres en 2023 étant béni, étant restauré, étant nanti, étant enrichi de différentes et diverses grâces du Seigneur Jésus-Christ. Donc, qui est prêt pour une nouvelle année, une année de bénédiction, une année de gloire? Qui est prêt pour cela? Tu dis simplement en commentaire, je suis prêt. Et le Seigneur le fera pour toi, pour ta famille, pour ta maison. Donc bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Le Seigneur te parle à travers ma faible voix. Le Seigneur veut te bénir. Le dimanche ici, vraiment ne manque sous aucun prétexte. Même s'il y a quoi, ne manque pas ce culte. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, quel que soit le temps qu'il fera, dis-toi, au nom de Jésus de Nazareth, j'irai au culte de la seconde chance. Dieu me donnera une seconde chance. Vous savez, lorsque vous lisez par exemple dans le livre de Joël chapitre 2, livre de Joël chapitre 2 verset 25, c'est un passage que nous connaissons tous déjà. Il dit, je restituerai les années qu'on dévorait le gazam de Asie, le Djelek, la sauterelle, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ouais. Donc nous servons un Dieu puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter ce matin qui a la foi que Dieu, pendant nos programmes, en ce mois de novembre, qui est le 11e mois, le mois de la restitution, de la restauration et de la seconde chance, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dise en commentaire, je crois au Dieu de la seconde chance, novembre c'est le mois de ma seconde chance, le Seigneur m'ouvrira les portes fermées. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça en direct qui sont connectées ce matin? Alors si tu es l'une de ces personnes, dis-le tout simplement en commentaire et le Seigneur te bénira. Partage la vidéo à un maximum de personnes s'il te plaît. Et que la grâce du Dieu de la seconde chance soit donnée. Donc dans le livre de Joël chapitre 2 le verset 25, Dieu parle d'une chose que seul Dieu peut faire. Et ma prière pour toi en ce mois de novembre,
c'est que le Seigneur accomplisse dans ta vie un miracle que seul Dieu peut faire. Lorsque tes ennemis verront ce miracle, eux-mêmes vont témoigner que, aïe, ça là, il n'y a que Dieu pour le faire dans la vie de cette femme ou dans la vie de cet homme. Ça, je témoigne que c'est le Seigneur qui l'a fait, c'est la fidélité de l'Éternel qui a été manifestée dans la vie de cette personne. Donc, bien aimé, je crois en cette parole de la prophétie. Quand Dieu me montre les choses, ça s'accomplit toujours. Pour ceux qui ont été avec moi, qui ont marché avec moi depuis le début du ministère, de notre ministère, vous le savez. Toutes les paroles que j'ai proclamées de la part de l'Éternel se sont accomplies en majorité, sauf celles dont le temps n'est pas encore arrivé. Mais la plupart des paroles prophétiques qui ont été données, que ce soit pour le ministère, que ce soit pour les familles, on a vu ces paroles de la prophétie s'accomplir. Donc nous rendons gloire à Christ pour sa fidélité, pour son amour et pour toutes les grandes choses merveilleuses, magnifiques, mirifiques, mirobolantes, augustes que le Seigneur a accomplies au milieu de nous. Ma bénédiction, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est que tu sois heureux, que ta destinée soit accomplie. Et je veux prophétiser dans ta vie, cette année qui est en train de venir, personne n'échouera. Personne de ceux qui croient, bien sûr, qui croient en la parole de l'Éternel, qui croient en la parole de la prophétie, personne n'échouera. Je le déclare au nom de Jésus. Et personne n'achèvera cette année 2022 dans l'échec. Non, non, ça n'arrivera pas. Personne. Chacun recevra une visitation divine. Chacun sera béni, chacun sera délivré. Dis Amen, s'il te plaît. Quel que soit le cas que tu es en train de traverser maintenant, crois simplement. Nous servons le Dieu de la seconde chance. Il dit, je restituerai les années qu'on dévorait, le gazam, le asile, le djelé, la souterraine. Oh là là, je restituerai. C'est ça que novembre, c'est le mois de la restitution. Et je prie que les années qui t'ont été dévorées par la maladie, le célibat, la pauvreté, la limitation, l'échec, les malédictions et toute autre chose comme celles-là qui sont venues pour te rendre triste et malheureux pendant cette année 2022, que l'Éternel restitue les années de ta captivité au nom de Jésus. Qu'il restitue les années de ta pauvreté, de ton échec, de tes pleurs. Que ce mois de novembre soit une grande consolation. Que ce mois porte une très très grande consolation dans nos vies et dans nos familles, au nom souverain de Jésus-Christ. Que ce soit un mois de gloire, un mois de joie, un mois de paix, un mois où tu vas réaliser ce que tu n'as pas pu réaliser depuis janvier. Oh là là, que Dieu le fasse pour toi, qu'il le fasse pour tes enfants, au nom souverain de Jésus de Nazareth. Dans ce dimanche, à partir de 7h30 à la bille, vous êtes mes invités. Venons chacun avec toute sa maison, avec tous ses enfants. J'ai dit que même si tu peux venir avec tes animaux pour qu'ils soient bénis, viens avec eux. Quelque chose d'inouï va se passer. Quelque chose de redoutable se passera, aura lieu au milieu de nous. Le Seigneur se glorifiera. Parce que sa fidélité sera notre bouclier. Donc, quel que soit ton cas, ce problème que tu as drainé tout au long de cette année 2022, tu voudrais en découdre. Tu es invité au nom souverain de Jésus. Ne reste pas à la maison. Ce sera une erreur grave que tu seras en train de commettre. Ne reste pas chez toi. Dimanche 6 novembre, le premier culte du mois de la restitution, de l'onction, et de l'alliance, de la restitution et de la restauration, où le Seigneur va restaurer dans nos vies tout ce que nous avons perdu pendant cette année 2022. N'entre pas en 2023 avec les mêmes maux, les mêmes malédictions, les mêmes limitations, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, les mêmes défis non remportés. Dis-toi, je serai un homme différent, je serai une femme différente. Et s'il y a quelqu'un qui a ce genre de cœur, cet engagement-là, qui le dise avec foi et avec décision et détermination, la chose arrivera ainsi, dans le nom précieux et souverain de Jésus. Du 6 au 10 décembre, nous avons le pèlerinage au mont Kolafamba. Donc tous les pèlerins sont déjà avertis, et que chacun puisse déjà prendre son badge. Avec ta famille, ne laisse pas tes enfants à la maison, venons avec nos familles,
nous consacrer à l'Éternel une fois de plus. Et Dieu se glorifiera encore comme dans toutes les années précédentes. Il faut dire que c'est sur cette montagne que mon ministère a connu une révolution radicale. C'est sur cette montagne-là que le Seigneur m'est apparu, où j'ai vu sept anges qui m'ont entouré et m'ont donné la prophétie de mon ministère. Voilà pourquoi chaque année où nous allons sur cette montagne, les gens rentrent avec des vies complètement transformées et les années complètement conquises et bénies. Parce que sur cette montagne, nous conquérons l'année qui vient après. Donc ce sera pour l'année 2023 que nous allons aller sur cette montagne et Dieu manifestera aussi sa fidélité comme dans les années précédentes. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Donc pour finir, pour terminer, tu es mon invité spécial ce dimanche 6 et dans toutes nos églises, dans le monde entier. En Afrique de l'Ouest, au Bénin, au Togo, ne manquez pas nos cultes de bénédiction et d'élévation. Et je serai à Bertoua dimanche 13 pour le grand culte des familles, dimanche 13 novembre. Et sois connecté, le Seigneur te bénira. Voilà. À Douala, ce sera du 20 au 23. Et à Yaoundé, ce sera du 27 au 30. Accompagné de mes frères bien-aimés, les prophètes Martial Séné et Arsène Camto. Arsène Camto, ce sera redoutable. Que Dieu te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Passe un très très bon week-end. On se voit demain en direct pour ceux qui ne seront pas là physiquement et pour toi qui es dans la ville de Yaoundé et ses environs. Tâche de ne point être absent. Tâche d'être présent. Et comme tu le fais, que le Seigneur te bénisse. Viens te décharger devant lui de tous tes fardeaux. La ligne de prière est gratuitement ouverte. Et je vais prier pour tous les malades, pour ceux qui ont des cas difficiles. À partir de dimanche, ceci-là, des cas de sorcellerie, des cas de blocage. Ceux qui ont été chez les marabouts, ce qui s'est passé, on va te raconter. Je vais te raconter. Ça veut dire que la prophétie ouvrira la voie de la délivrance. On va travailler prophétiquement. Il y aura la prophétie pour la délivrance. Oui, je vais te révéler des choses par l'Esprit de Jésus-Christ. Comme on a commencé vendredi hier, c'était terrible. Vous savez, atmosphère miracle, c'était redoutable. Donc dimanche, ça sera encore plus grave. Sois présent, toi et tes enfants, et reçois ta bénédiction. Et ce qu'on t'a volé, tu vas le récupérer au nom précieux de Jésus. Amen. Bye.